l'esprit mutant. J'appelle tout de suite le service clientèle. Oh. Oui, oui, c'était une créature au corps sillonné de veines bleues et à la tête extrêmement développée. Oh, Martin, ne dis pas que tu appelles une fois de plus SOS Paranormal avec mon portable. Je vous rappelle. Non, je m'en fous. Bon, l'épreuve va pouvoir commencer. Vous aurez besoin de crayons rouge et bleu modèle numéro 2. Et en fait, fétiche rouge numéro 2, je pensais l'avoir mis dans ma trousse. Non ? Tu me déçois, Didi. Je t'imaginais plutôt du genre à venir en classe avec ton matériel. Oh, du saumon poché ! Le seul plat qui me remonte le moral en toutes circonstances ! Il y en a plus, saumon. Diana avoir une portion grosse. Ah, t'es trop mignon, Java. Si ça continue, ta gentillesse à elle seule va me consoler de cette horrible journée. Oh, ma serviette. Cette fois-ci, la coupe est pleine. J'en ai assez que tu prennes ce qui m'appartient. La fourmi n'est pas prêteuse, à ce que je vois. Tu confonds emprunt et vol. De toute façon, si je te demandais, tu dirais non. J'en ai tout à fait le droit. Mais enfin, Didi, on est de la même famille. Ce qui est à moi est à toi, et vice-versa. À part du linge sale et des jeux stupides, qu'est-ce que t'as en stock? J'y peux rien si tu refuses de profiter d'un frangin qui possède des trésors inestimables. Dis-toi bien que le seul trésor inestimable que tu possèdes, c'est ta force. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des cavernes, identifié. Salut les potes. Salut. Oh, mais c'est pas la version collector d'Espace Colonie. Version 1.1 Espace Colonie. Mais dites-moi que je rêve. Sois prudent, Billy. Martin a tendance à emprunter. No problemo. Yeah. Ce qui est à moi est à toi, Martin. Soda, skate, BD? Génial! Et qu'est-ce que c'est donc? Oh! Martin va bien? N'aie crainte, Java. J'ai créé cet appareil afin que votre maladresse ne puisse s'attaquer à mes précieux prototypes. Pas de ça entre nous, môme. Ce qui est à vous est à moi et vice-versa, hein? Gardez vos films d'horreur, vos BD et vos jeux vidéo, Martin. Ce machin est tout bonnement fabuleux, môme. Comment ça fonctionne? Il s'agit d'un disjoncteur neurologique. Lorsque je sens monter en Martin une pulsion cataclysmique, je lui envoie une petite décharge inoffensive qui fait disjoncter son cerveau et interrompt sa coordination. Eh ben, trouver le cerveau de Martin, voilà qui n'est pas une mince affaire. Passons. Vous allez vous rendre en Antarctique. La base du centre qui s'y trouve ne donne plus signe d'activité. Nous envoyer en Antarctique, au beau milieu de l'hiver? C'est toujours l'hiver, là-bas. Juste une question comme ça, en passant. Votre zapette à neurones, elle porte à combien? Si je vous le disais, ce ne serait plus drôle. Désolé, agent. Il me semble que vous allez devoir emprunter un autre moyen de transport. Martin, arrête de faire l'andouille! Ça va, détends-toi, ça c'est l'extrême. Java, pas avoir appris à voler. La zapette de môme a une portée intercontinentale. Oh,
Regardez! Passe du centre! Quel œil de lynx, Java! Allons voir ça de plus près! Y a pourtant pas d'ours en Antarctique. Oh, t'as raison, mais c'est pas un ours, c'est l'abominable homme des neiges. Oh, ça n'existe pas. C'est peut-être l'écho du chant d'une baleine. Va voir ce que c'est, toi. Ah, ce n'était qu'un husky. Ce grand bonnet de Martin qui avait peur du gentil chien-chien. Primo, ce chien a exactement le même cri que l'abominable homme des neiges. Et secondo, je n'ai pas eu peur. On commence à vaincre nos peurs quand on admet qu'elles existent, Martin. Sois prudente, ce chien a l'air bizarre. Oh, t'affole pas, Martin. Cette pauvre bête est gelée, c'est tout. Qui sait depuis combien de temps il est dehors dans le froid. Emmenez chien à l'abri. Suivre-nous, toutou. Ça va, mon beau? Allez, viens! Je te l'avais bien dit, il est pas net ce chien. Ah mais dis donc, ça tourne à l'obsession, hein. Eh bien le toutou, tu vas rester bien sagement ici, comme ça tu ne pourras plus rester coincé dehors. En tout cas, il fait pas beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur. Voleuse. C'est toi qui as dit ça. Mets-toi bien ça dans la tête. Maintenant, c'est moi qui commande. Enfin, une enquête qui va rouler sans aucun problème. Tu oublies que enquête qui roule est mon prénom. Ah ouais, et qui roule pas du tout, c'est ton nom de famille. Martin, Diana. On dirait que la tempête a frappé également ici. Voyons si je peux récupérer leurs dernières émissions. C'est entré. Ils vont tous nous avoir. Alors ça, plus aucune liaison avec le centre. Essaie de nous faire écouter des messages plus anciens. Elle a l'air vivante, la maison. Finalement, je me dis que dehors, on serait peut-être plus en sécurité. Ça tombe bien, ce rapport mentionne que nos agents bossaient sur des fouilles à l'extérieur. Ajustez vos capuches. Oh, pourquoi je dis des trucs pareils à voix haute? Allez, par où? C'est un genre de fil d'Ariane. Il doit mener au site de fouille et permet aux agents de retrouver la base. Vous venez? Super cool mammouth congelé. N'y touche pas, Java. Il y a une chose dans son oreille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Quoi qu'elle puisse être, cette bestiole est vivante. Enfin, presque. Tu as parlé trop vite. Un monstre des glaces. Et maintenant, t'as une idée, monsieur Enquête qui roule? Pas du tout.
non! Oh, agent, ouvrez cette porte! Qu'est-ce qui me dit que je peux avoir confiance en vous? Ouvrez, je vous dis! Allez, quoi? Soyez sympa, allez-y, nous, André! Crachez là-dedans, tous les deux. Chien devenu méchant. Où est Diana? Diana partie dans l'autre sens. Oh, ça va pas la tête, on a failli y passer. Toi? Méchant, Marvin. Alors c'est ici que Mom a mis au placard l'agent loupe tout. Ouais, grâce à toi d'ailleurs. Quand l'agent mystère est induit en erreur, il assume. Tu m'as tendu un piège. J'en ai pas eu besoin, t'as cafouillé lamentablement. Tu nous en as mis plein la vue côté sport extrême, mais en tant qu'agent, crois-moi, t'aurais encore quelques leçons à prendre. Tu vas voir. D'abord, trouver Diana. Se battre après. Tant que cette créature est à la porte, on ne peut pas sortir. T'en fais pas, Java. Diana sera en sécurité aussi longtemps que ce chien trépigne ici. On dirait qu'il est possédé. Dis-moi ce qui se passe. Je ne te dirai rien. Ou tu t'en serviras contre moi et tu me feras muter dans un endroit pire que ce trou. Pire que ce trou? Ah, franchement, je crois pas que ça existe. C'est vrai, ça? Hein? Et tout ça, c'est par ta faute. Arrêtez. Quand je pense que monsieur se plaint d'être coincé dans ce trou... Nous avons libéré une étrange forme de vie en déterrant un mammouth. Elle voyage d'un corps à l'autre en s'en servant comme vaisseau. Lorsqu'elle était en elle, Chloé a dévasté le labo. Ensuite, cette chose s'est transférée en moi. Et avant que je puisse appeler de l'aide, Marvin a détruit notre radio. Au début, il fallait du temps avant que l'infection se révèle. Mais maintenant, les altérations se produisent de plus en plus rapidement. Un peu comme si cet organisme gagnait en force à chaque fois qu'il change d'hôte. Il doit puiser quelque chose dont il a besoin dans chaque corps qu'il colonise. Pour le moment, il est dans le chien, alors on évite le chien, c'est simple. On le tenait tout à fait à distance jusqu'à ce que vous le fassiez entrer dans la base. Il est à nouveau dehors. C'est moi qui l'ai fait ressortir, figure-toi. Du coup, il nous a attaqués. Vous deux restez ici, Java et moi, on va aller voir. Non, non, vous deux restez ici. Chloé et moi, on va aller voir. Puisque c'est comme ça, je reste. Moi, reste aussi. Sortez tous les deux. Java! Martha! Répondez! Mal, tous ces craquements qu'on entend. Non, sauf quand certains laissent entrer des organismes dangereux dans la base. Et certains autres auraient pu nous prévenir au lieu de rester planqués. Comment savoir si vous n'étiez pas infectés? Et ben voilà, c'est cette brèche qui est à l'origine des craquements. Elle n'est à l'origine de rien du tout, mais c'est un résultat. Quelqu'un a fait ça. Diana! Viens! Non! Comment savoir si elle n'est pas infectée? Elle a l'air bizarre. Bien sûr, elle est gelée. Comment va-t-elle? Et le chien? Vous l'avez vu? Comment se fait-il qu'il ne grappe plus à la porte? Elle a été colonisée! La créature est en elle! C'est parce que je t'ai emprunté ton portable que tu t'attaques à moi en premier, petite sœur? Non, Java! On ignore encore si cet organisme peut se diviser et envahir plusieurs autres! Fuyez! Le temps qu'on trouve un moyen de stopper cette horreur!
Je suis nul comme hôte. Ah ouais, est-ce que j'ai l'air infecté? Pas vraiment plus que d'habitude. Mais alors, si aucun de vous n'est l'autre? Où est Marvin? Ah, ah non! Ah, je dois dire que ça me coûte, mais l'ancien Marvin était beaucoup plus plaisant. Survit de plus en plus longtemps sans hôte. Ah, ce truc doit passer d'un corps à l'autre dans le but de stocker assez d'énergie pour réussir à survivre par lui-même. Hein? Ah là, ah, lâche-moi. Charge inoffensive qui fait disjoncter son cerveau et interrompt sa coordination. Une petite décharge. Oh, ça marche. Oh. Oh. C'est le moment d'avoir de l'inspiration. Hein? Retourne d'où tu viens, vilaine babette. Quand je vais raconter ça aux gens d'SOS paranormal, ils vont halluciner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite. Oh, c'est pas vrai, on dirait que la chose n'a plus besoin d'autre pour survivre. Ça y est, j'ai pigé. Je sais ce qu'elle convoite en nous, la chaleur humaine. C'est pourtant simple, cet organisme à sang froid a puisé en nous l'énergie nécessaire à sa survie. Ouais. Tu as raison, il a dû rester en hibernation dans le mammouth pendant des millénaires, car il ne pouvait survivre sans autre dans ces milieux hostiles. Travail, agents spéciaux. Oh, toutou gentil maintenant. Vous savez, tout le mérite de ce succès revient à Marvin qui a eu l'idée de la pompe aspirante. Alors Marvin, imaginons un instant que je reconsidère votre cas. Que diriez-vous d'une mutation à Hawaï? À GG. Toi, t'es un vrai pote. Ça alors, Martin se lance dans les actes nobles et désintéressés. Quel événement. Tu vois, on n'est pas si différents finalement. Ouais, eh bien ne nous emballons pas quand même. Hein? Qui t'a permis de prendre? Semblerait que Martin ne soit pas le seul à emprunter ce qui ne lui appartient pas.
Malade! Si je m'inscris à l'entraînement du triathlon, je n'aurai plus de temps pour l'atelier mime en espagnol. À moins que le challenge plongée sans frontières soit à un autre horaire. Oh, être un bourreau de travail, c'est littéralement épuisant. Oh, en fait, ça donne même carrément la nausée. Jalouse, les filles. Jaloux? Je suis vert d'envie. Au sens propre du terme. Oh, j'y crois pas, il faut que ça m'arrive maintenant. Bonjour, bonjour, Mom. Voici les statistiques de la veille, votre nettoyage à sec et votre cacao du matin fait avec les fèves les plus pures des hauts plateaux andins. Merci, c'est très gentil. Alarme en cours, quartier-neuf. Le microbe venu d'ailleurs. Les agents mystères Lombard et Java. Java trop malade, pas venir au centre. Oh non, Lombard n'est là pour personne. J'ai la tête comme un ballon de foot en béton. Désolé, mais je déclare forfait sur ce coup-là, Billy. Oh non. Nom du fugitif, Stéphane Berry. Vous en faites pas, les potes. On va vite trouver ce qui vous a mis HS. Mais avant tout, vous allez subir quelques petits tests de routine. Depuis quand les tests de routine ont des bras menaçants munis de pinces? Oh, t'angoisse pas. Billy sait ce qu'il fait, c'est sûr. Voilà, c'était pas le Yeti à épiler. À présent, j'envoie les données à Mom pour analyse. Tu peux faire tap-tap à oreiller Java avant? Désolé, Java, mais il m'est interdit de pénétrer dans la zone d'exclusion. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je ne serai pas loin de la salle de quarantaine. La zone d'exclusion? Bah, je trouve ça plutôt sympa. Martin, je ne trouve rien de sympa à être mis en quarantaine. On s'est peut-être attrapé un virus inconnu avec toutes ces missions dans le paranormal. Intéressante ta théorie. Malheureusement, je crains que tu ne fasses fausse route. Je te demande pardon. Eh bien, en jugé à ton teint méga blafard et à l'intéressante odeur que Java dégage, il me semble évident que nous avons tous les trois contracté un de ces démentiels virus informatiques. Ben quoi? Il se passe tous les jours dans le monde des choses bien plus dingues. Des choses dingues? J'en entends sur Radio Mystère tous les jours. Tu es champion toute catégorie dans l'art d'échafauder des théories qui font fausse route. Oh, le joyeux petit train roule très vite sur une voie humide. Et là, c'est le drame. Il part en aquaplaning incontrôlable. Puis... Il est aspiré dans la quatrième dimension par une faille du continuum espace-temps. Que personne ne bouge. C'est certainement la créature genre yeux qui lance des rayons laser, qui tire des missiles avec ses petites mimines. Oh, ce serait sublissimement cool. Mais bien sûr, il s'agit d'un atomie mutant. J'ai lu un article sur eux dans un magazine de science japonais. Un magazine de science-fiction, tu veux dire? Aucun doute possible. Cette bouillasse verdâtre est l'indice d'une intense activité ectoplasmique. Il s'agit sûrement de l'écriture d'une forme de vie humaine primitive. Si tel est le cas, tu devrais pouvoir te passer de dictionnaire. Tiens, tiens. Échantillon inconnu. D'après les indices dont nous disposons, je suppose qu'il s'agit d'un minéro-monstre mutant des carrières. On va encore avoir droit au résumé d'une BD ou d'un film. Mais oui, c'est ça. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Dans le trou noir maléfique, un trou noir interdimensionnel aspire ses victimes, puis il modifie leur structure moléculaire. Ensuite, quand il les recrache, elles sont devenues méconnaissables. C'est encore un coup de l'alligator albino, ça ne fait aucun doute. Ouais, ils vivent dans les égouts et sortent la nuit afin de traquer leur proie. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De toutes tes élucubrations, c'est sûrement la... Tata, le vampire des neiges. Au lieu de vous pomper le sang, il vous transforme en glaçon. Je parie que ça a à voir avec le fait que la lune est à son périgée. Mais oui, elle passe à l'attaque. Qu'est-ce qui passe à l'attaque? Ah, il faut me comprendre. Ce périgée n'a lieu que tous les 5 siècles. Elles ont peut-être été dévorées par des gnomes chaussettophages. Nous sommes à la veille d'une invasion, je le sens. Alors, quel genre de fantôme? Poltergeist? Il en l'air! Sans tête, zombie, ectoplasme.
D'accord, j'admets. Mes théories sont parfois un peu limites. Mais tu ne peux quand même pas nier qu'elles ont le mérite d'être divertissantes. Java, d'accord. Martin, rigolo. Java, si par rigolo tu entends définitivement nul, alors Martin est très rigolo. Ce qu'il est moins, c'est que je suis persuadée qu'il est à l'origine de notre contamination. Moi ? Mais enfin... Oui, à tous les coups, t'as ramassé un truc pas net pendant une de nos missions et tu nous l'as transmis. Ah, et tout aussi séduisant. Notre clan va enfin renaître. Où sont-ils passés? Non mais attends un peu, c'est pas parce que j'ai titillé le paranormal d'un peu trop près que je suis forcément responsable de notre maladie. What this? C'est Mom. Et qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter? Elle lui parle du résultat de nos tests, ça n'a pas l'air d'être très bon pour nous. Comment tu le sais? Fais-moi confiance, je suis un expert en lecture sur les lèvres. Vous ne pouvez pas me demander une chose pareille. J'ai bien peur que si, la créature des marées a été localisée dans votre secteur. En attendant mon arrivée, je veux que vous preniez une arme pour parer à toute éventualité. Bon, comme vous voulez, mais je continue à me considérer davantage comme un amoureux plutôt qu'un belliqueux. Oh là là! Notre affection doit être incurable et hyper contagieuse! Bien pire qu'un virus informatique! La preuve, c'est que Billy a reçu l'ordre de nous éliminer! Tu vois, qu'est-ce que je disais? C'est un terrible mal du paranormal! S'il croit qu'on va rester sagement ici! Java veut pas perdre gentil oreiller! Écoute, mon pote, tu risques de perdre beaucoup plus en restant ici, alors suis-nous! Alarme en cours, secteur infirmerie! Alarme en cours, secteur infirmerie! Mais j'y comprends rien! Comment peuvent-ils déjà savoir qu'on est enfui? Aucune idée! En tout cas, ça confirme que c'est bien après nous qu'ils en ont! Allez, bouchez-vous le nez! Alarme en cours, secteur infirmerie! Alarme en cours, secteur infirmerie! Dire qu'on l'a échappé belle. À présent, on décolle de ce linge puant et on tâche de trouver la sortie. On peut savoir où vous allez tous les trois? En fait, on allait nulle part. Hein. On se dégourdissait un peu les doigts de pied. Désolée, mais je ne peux pas vous autoriser à quitter le secteur. Mais enfin, Billy, je croyais qu'on était des amis. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est un proverbe que tu connais, Martin. Alors, dans ce cas... Chronoscan activé. Mode Phoenix. Bien sûr. Bon réflexe, Martin. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. Remercie plutôt ce bon vieux Chronoscan. C'est pas la première fois qu'il nous tire d'affaire. Mode turbo-grappin. Diana! Mode bouclier. Excellent réflexe, très professionnel. Mode sabre laser. Mode Phoenix. Tiens bon, Diana. Allez, on ne traîne pas. De toute façon, tu lui serais resté sur l'estomac. Mode bouclier. Maintenant, l'idéal serait qu'il se repose pendant quelques minutes. T'as raison, le chronoscan est une véritable bouée de sauvetage. Bon, qu'est-ce que t'as, mon Javounet? T'es pas bien avec nous? Billy, non. Java peut pas croire Billy plus être notre ami. Ouais, je sais, c'est dur. Il y a parfois des choses qui font du mal dans la vie. On aurait quand même dû s'en douter, c'est vrai quoi. Comment faire confiance à quelqu'un qui te tombe dessus par surprise n'importe où, n'importe quand? Salut les potes! Désolé de vous avoir fait peur. Qu'est-ce qu'il y a, Java? Quelque chose approchait. Salut les potes!
Salut, Martin. Oui, madame. Tu es très ponctuel. Là, je crois que c'est le moment d'appeler le centre. Pas besoin. Ah oh, Billy, faut que tu arrêtes avec ça. Ça va avoir ouvert porte. Oh, ce que je suis content de vous voir. Je m'attendais à un lieu très élégant, mais pas inquiétant. Plante, être pas normal. Salut les plantes. Oh, Billy, tu n'as donc jamais appris à frapper avant d'entrer dans une mission? Ouais, je crois que tu n'as pas tort, Diana. Oh. Oh. Ça y est, je tiens la solution de notre fuite. Quoi, t'as un plan? Ça se pourrait. Quand on est malade comme un poulpe. C'est comme si gros serpent avoir avalé Java. Un gros serpent froid, puant et rempli de bestioles répugnantes et gluantes. Oh, des vers. Hein? Des bestioles répugnantes et des vers gluants? Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est peut-être parce qu'à chaque mission, on en a croisé de multiples formes, sans parler des différents genres de bouillasse viscose. De la bouillasse verdâtre. Ah, c'était le bon vieux temps. Ah oh non, c'est vergluant, maintenant je me souviens, on les a déjà vus quelque part. Vous allez payer pour m'avoir emprisonné dans le livre. Regardez, à la fin du récit, les enfants emprisonnent la créature du marais dans son livre. Maintenant, c'est moi qui vous tiens. La créature des marais. Qui l'a fait sortir de sa cellule? On a dû l'envoyer à notre poursuite. Cette fois, on est fichu. Ah, t'emballe pas, Didi. Après tout, on a connu des situations bien plus cruelles. C'est que pendant ces missions, on tenait une forme d'enfer. Là, par contre, je me sens vraiment pas de taille à aller sécher ce marécageux. Java, frissons partout, fièvre et nausées. Ah,
Java, mal au ventre. C'était bien vu, Java. Même si d'habitude, quand tu nous sauves, tu fais un peu plus jouer ta carrure d'athlète. Oh non! Java, tenir Martin. Java costaud. Tu penses pouvoir nous faire sortir d'ici avec tes grands muscles, Java? Enfin, nous les tenons. Si le doute était encore possible, il vient de se dissiper. On est cuit. Mais tu peux pas arrêter, s'il te plaît! Oh non, mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Tu ne te souviens pas que c'est ce que je fais toujours en situation de crise? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi pendant 2 ans. Entre-temps, ton roman est sorti, il a cartonné dans le monde entier, tu es un auteur connu. C'est vrai? Non. Pour toi. Hey, j'ai bien droit à mon joker. Alors, de quoi j'ai l'air? Ton assortiment de pâtes d'amande. D'accord, vous l'aurez voulu. Après tout, maladie étrange ou pas, c'est quand même moi le meilleur agent de cette maison. Alors il serait temps que tous, autant que vous êtes, vous m'accordiez un peu de reconnaissance. Et ça s'adresse aussi à vous, Mom. Enfin, réfléchissez. Si j'étais pas là, vous en seriez où avec cette bande de bras cassés? Je ne parle pas de toi, Billy. Silence, Martin. Vous perturbez ma concentration. On perturbe la concentration de Madame. Et toutes vos missions horribles, vous croyez qu'elles ne nous ont pas perturbés? Je me suis pris la tête pour attraper des cours, j'ai raté des ateliers, jonglé avec mon agenda. Et tout ça pourquoi, hein? Je vais vouloir faire dodo. Arrêtez ce vacarme, je voudrais en finir et le plus rapidement possible. Jamais je n'aurais cru que Mom était si dure. Elle ne nous laisse même pas lui dire ce qu'on a sur le cœur avant de partir. Les amis, je crois que nous sommes arrivés au bout de la route. Elles me manqueront, je les regrette déjà. Quoi? Tes missions de détective du paranormal? Non, je veux parler des filles. Ah, les filles. Une école de filles? En Floride? Flirt interdit. J'aimerais bien savoir quand je pourrais poser ces livres. S'il vous plaît. Bouge. Ça te dirait que je te regarde avec les yeux de l'amour? Salut, Andrea. Qu'est-ce que tu me racontes de beau aujourd'hui? Plein de choses. C'est gentil de t'en soucier, Martin. Dois-je conclure que tu serais d'accord pour sortir avec moi? Non. Martin, mystère, détective à votre service. Mélanie Samson, célibataire, tenant à le rester. Oh, c'est beau. Java aussi fit manquer beaucoup. Nous serons restés ensemble jusqu'à la fin, les amis. Pour l'amour du centre, allez-vous enfin vous écarter! Oh, mais non!
n'est pas nous que vous poursuiviez pendant tout ce temps, mais la créature des marais. Quand même, vous comprenez enfin. Si vous étiez resté au lit comme de bons malades, vous vous seriez épargné bien des émotions. Mais notre terrible et incurable maladie, elle va nous laisser encore combien de temps en quarantaine? En fait, votre maladie incurable n'est qu'une intoxication alimentaire sans gravité dont l'origine est la cafétéria de Torrington. Java était en congé, pas être sa faute. Un peu de repos suffira à vous remettre d'aplomb. Vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ah, quel soulagement. Nous allons pouvoir reprendre nos chères études. Ciao tout le monde. Pas si vite, jeunes gens. Alors, vous trouvez qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur? Vous trouvez que les autres agents sont des bras cassés? Bah ça alors, on aurait dit une chose pareille, nous? Oh, c'est le genre de propos qu'on tient dans le délire de la fièvre. D'ailleurs, je la sens qui remonte. On va aller se recoucher tout de suite. Ténèbres, première partie. Tu étais au courant qu'avant de te momifier, les Égyptiens te sortaient le cerveau par les trous de nez? Tu sais pourtant que Mom a horreur qu'on trafique dans son bureau, surtout quand elle est absente. Ma chère, Martin Mystère ne trafique pas, il investigue. Hop, 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 hop. Et roubidoubidou. Oh, oh là là. Oh, 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 oh. Mom pas contente. Non, Mom pas contente, Java, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre bureau est une tache d'acide. Monsieur Mystère, cette fois la coupe est pleine. Quand vous comporterez-vous comme un adulte? Mais je l'ai pas fait exprès. Chaque fois que vous dévastez mon bureau, c'est l'excuse que vous me réservez. Il va falloir changer pour de bon. Vous voulez vraiment que je change? Alors parfait, je vais changer! Ravi de vous l'entendre dire! Ouais, fini les enquêtes résolues en seulement quelques jours! Fini de répondre à vos appels, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit! Et fini cette fâcheuse tendance à sauver le monde encore plus souvent que Java n'oublie de changer ses chaussettes! Bien! Si c'est là l'attitude que vous comptez adopter, je vous suggère de prendre du recul et d'y réfléchir pendant les deux semaines que durera votre suspension! Votre suspension! Tu te fais du mal, Martin! Allô, la Terre! Tu ferais mieux d'arrêter de regarder cette vidéo stupide et accepter le fait que t'as été suspendu pour deux semaines! Votre suspension! Je n'accepte rien du tout! Un simple faux mouvement et voilà que Mom en fait une affaire d'État! Ah, tu pourrais au moins nettoyer ta chambre! T'as du temps en ce moment! Allez, jette donc un œil là-dessus! C'est ton bulletin de fin d'année scolaire! C'est vraiment important! Ah, m'en fiche!
Te faire suspendre 15 jours passe encore, Martin, mais rater toute une année scolaire est autrement plus grave. Pour survivre, je n'ai pas besoin de l'université ni du centre. Je ne compte que sur moi-même pour bâtir mon avenir. Tu veux mon opinion? Je crois que tu refuses d'ouvrir cette enveloppe parce que t'as peur de découvrir que je suis bien meilleur que toi. Ouais, bon, j'ai eu que 901 points, et après... Hein? Que 901 points? Mais enfin, Martin, c'est seulement un point en dessous du record absolu! C'est pas vrai, j'hallucine! Il a eu le même score que moi! Sans blague! Comment survivre à cet affront? Quand je pense à toutes ces années pendant lesquelles tu as voulu me convaincre que tu étais plus intelligente, Pipo Binjo! Ces tests standardisés ne sont pas forcément fiables à 100%! Eh ben voyons! Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'intègre une université prestigieuse, une grande école, ou je passe tout de suite par la case prix Nobel? Je crois que tu confonds être une grosse tête avec avoir la grosse tête. Appel du centre. Hop, 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 Martin! À moins que ton cerveau génial n'ait trouvé le moyen d'inverser le cours du temps, je te rappelle que tu es toujours sous le coup d'une suspension. Mais enfin, tu plaisantes, Didi! Je suis sûre que Mom me convoque pour s'excuser. Je crois que tu vas avoir une surprise, toi. Alerte, agent suspendu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais lâche-moi, sale bête! Oh, je suis désolée, Martha, je n'ai pas eu le temps de rectifier la base de données avant de vous appeler. C'est toi qui m'as appelé? Mom aurait dû rentrer de ses vacances à la Jamaïque depuis des jours. Je n'en peux plus, je suis surmenée. C'est la première fois que je me retrouve tout seule. Elle n'a même jamais pris un seul jour d'arrêt maladie. Disparaître sans prévenir, c'est pas son genre. J'ai tout fait pour la retrouver. Cartographie satellitaire, triangulation par radio, aucun résultat. Dois-je en déduire qu'elle ne m'a pas appelé pour me présenter ses excuses? Martin, c'est vraiment pas le moment. Nous allons t'aider à la retrouver, Bilou. Parle pour toi. Tu oublies que moi, j'ai été suspendu par qui nous savons. Par quoi on attaque? Je prendrais bien deux autres semaines de suspension rien que pour voir Mom avec ça sur la tête. Tu crois qu'on peut trouver une piste sur son ordinateur? Il y a des chances, mais le problème, c'est que tout sera codé. Je te souhaite du courage. Tu ne pourras jamais casser le code du centre. En plus, chaque machine a un mot de passe que... Et voilà! Comment? Je te rappelle que t'es pas le seul à posséder quelques notions de piratage, monsieur 901. Bon, je crois qu'on a sous les yeux son itinéraire de vacances. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mom n'est pas en vacances à la Jamaïque, elle est en mission au Tibet. Au Tibet? Trop cool! Elle a dû retrouver la trace du Yeti. Voilà que tout à coup, monsieur s'intéresse. Oui, mais sur un plan scientifique, bien sûr. Nous partir chercher Mom. Alors, tu viens ou tu ne viens pas? Je dois dire que ce serait avec grand plaisir si je ne faisais pas toujours l'objet d'une suspension officielle. Oh, désolé, j'avais complètement oublié. Je vais suspendre ta suspension, évidemment. Le seul problème, c'est que j'ignore totalement comment on s'y prend. Te fais pas de bile, Billy. Diana va t'arranger le coup. Hé, hey, dis, pendant que tu y es, si tu... Non, je n'entrerai pas sur l'ordi de l'école pour trouver les fiches des filles. Ce paysage est d'une beauté irréelle. On se croirait dans un autre monde. Ah, stupéfiant. On va par là? Je suis allée au Tibet, mes amis du club de géographie ne me croiront jamais. Si j'étais toi, je leur ramènerais un yak. Quelque chose sous ton pied, Diana. Hein? Oh, c'est un parchemin. Il y a des annotations un peu partout. Hé, hey, c'est l'écriture de Mom. On est sur la bonne piste. Il n'y a aucun doute. D'après sa traduction, Mom était à la recherche de ce qu'elle appelle le portail. C'est un mystérieux passage situé au sommet du monde.
Et ben voilà, il est si proche qu'on pourrait presque le toucher, tiens. Bah voyons, et tu t'y prends comment pour traverser le lac, Siddhartha? Par lévitation? On pourrait l'envisager avec tout l'air que tu déplaces. Oui, ça va trouver bateau. Comment lutter contre deux Néandertaliens? Chante après moi, Java. C'est la chanson du bateau enchanté. Java trouver l'axe sinistre. Java vouloir partir. Concentre-toi sur les rames, Java. Ça te fera penser à autre chose. Je trouve ce paysage magnifique. Il y a un côté totalement envoûtant. Ah, regardez! Ces rochers, on dirait la tête de Billy. Je rêve d'un monde sans tes blagues. Notre petit copain était probablement un aimable représentant de l'ère préhistorique. Coupé de toute évolution dans cet écosystème inaccessible? Ouais, ça se tient, ouais. Tu n'y es pas. Il doit y avoir une sorte de vortex spatio-temporel au fond de ce lac. J'aurais dû prendre une photo pour le mensuel du paranormal. Non, quand je pense que je me fais encore avoir. Oh, c'est désagréable à dire, mais il y a quelque chose dans cet endroit qui me donne littéralement la chair de poule. Créature hideuse en approche! Laissez-vous! Une suggestion? Courir! Elle est en train de faire demi-tour! Tu veux nous faire traverser là-dessus? Ah, on n'a pas le choix, dépêchez-vous! Java va avoir le vertige! Ça va aller, Java! Surtout, ne regarde pas en bas! Je sais ce que vous êtes en train de vous dire! Quel joli coin pour apprendre le saut à l'élastique! Seulement, voilà, il y a un inconvénient. Il pèse une tonne, il vole et il est carnivore! Mon inconvénient à moi, il pèse une tonne, il tremble de partout et il veut pas bouger! Fais un effort, Java! On est très mal. Java, traverse le pont. Allez, bouge. Continuez à grimper, j'ai une idée. Mode Phylex. Là. Eh bien, il n'y a plus qu'à monter. J'en crois les notes de Mom, ça ne fait aucun doute. Parce que plus on approche du sommet, plus j'ai la sensation qu'on y est indésirable. Raison de plus pour se dépêcher. Java pas être pressé. Ah bah, tu vois, campons ici et reprenons la route demain matin. Pour que Crâne de Piaf revienne nous picorer la tête dans la nuit, le Phylex ne le retiendra pas longtemps. Moi, changer d'avis. Ouais, et même que si on se dépêche, on peut être au sommet avant la tombée de la nuit. Ça, c'est ce que j'appelle de la motivation. Ah,
ça y est, je crois que j'ai compris. Quoi? Ce que Mom fabrique ici? Mais non! Comment t'as fait pour avoir de telles notes? J'ai lu quelque part qu'en cochant toutes les cases au pif, il existe une petite probabilité de tomber sur les bonnes réponses. Ben, tu vois, c'est ce qui a dû se produire avec toi. Oh, allez, accepte-toi tel que tu es. C'est pas ma faute si tu es incapable d'accepter le fait que je sois aussi doué. Peut-être même plus doué encore. Eh ben, vas-y, le surdoué, prouve-le-nous. Eh bien, pour commencer, je suis sûr que c'est une force surnaturelle qui maintient ce moine en lévitation, mes amis. Je vous demande pardon, vous n'auriez pas vu une brune assez grande, plutôt stricte et du genre à donner des ordres dans le coin? Je ne vois que la vérité. Le monsieur te dit non. Allez, on s'en va là. Désolé pour le dérangement, allez vite et bien. Oh, ça va, t'emballe pas. Tu as vu cette porte? À tous les coups, c'est le portail que cherchait Mom. Si vous désirez entrer, à ma question, répondez. Comment, quoi? Une question? C'est une sorte de test? Oh, génial, ça me connaît, les tests. Martin, la première fois, c'était un coup de chance. Je t'en supplie, allons-nous-en. Si la bonne réponse vous trouvez, passez. Mais si vous échouez... Hein? Si on échoue, il va nous précipiter du haut de la montagne. C'est trop risqué, Martin. Tu as peur que je te prouve que je suis meilleur que toi? Eh bien, tant pis. Envoyez la question. Écoutez bien. Là où force et rage ne sont d'aucun usage, d'un simple geste, je puis donner le passage. Et sur le seuil, beaucoup demeureraient si dans leurs mains un tour je ne faisais. Dites-moi, jeune homme, comment je me nomme? Martin, réfléchis bien, je te rappelle qu'on a droit qu'à une seule réponse. Prends ton temps. Une clé. Oh, j'en étais sûre, c'est la catastrophe. Bonne réponse. Je vous autorise à passer. Oh, je suis trop fort, je m'épate moi-même. C'est le parfum sulfureux du mal. C'est surtout le même que dans ta chambre. Toutes ces portes, ces couloirs, un vrai labyrinthe. Il faudrait un an pour tout explorer. Ouais, j'aimerais autant que ça prenne pas plus d'une heure. Allez, hop là. Oh, on dirait la créature qui nous a attaqués sur le lac. Vous avez vu? Il y en a d'autres. Apparemment, celle-là a eu envie de se dégourdir les pattes. Elle est sortie prendre l'air et terroriser les gens dans la montagne? Exact. J'ignore comment, mais ces bestioles peuvent revenir à la vie. Méchant oiseau! Ça m'embête un peu de le reconnaître, mais... Dans quelle galère on s'est mis? Puissance 10, cette grotte. Je ne suis pas d'accord. Avec un vestiaire et une bonne sono, ça ferait une boîte d'enfer. Mom! Ça va aller, nous sommes venus vous sauver. J'étais sûre que vous me retrouveriez. Mom, je suis navrée d'avoir réagi comme ça. Je vous promets de changer d'attitude et pour vous prouver ma bonne volonté, je vais commencer par vous libérer. Je vous ai observé depuis le début, déjouant tous les pièges que je vous tendais, vous rapprochant sans cesse, déterminée à me retrouver. Alors, il a bien fallu que je me prépare. Mais enfin, Mom, qu'est-ce que vous faites? Si je peux me permettre une opinion, je dirais qu'elle nous a emprisonnés dans une espèce de champ de force. Java plus toucher la terre. Vous êtes beaucoup trop confiants, jeunes gens. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, c'est la dernière fois que je vous rends service. Je démissionne.
rien. Pourquoi faites-vous ça? J'ai passé toute mon existence à chercher cet endroit. C'est un lieu unique, un passage qui mène directement de notre pauvre monde aux enfers. Ça donne une explication à votre présence. Il ne faudrait pas que vous vous mépreniez, Martin. Le but initial de ma recherche était de détruire le portail, de condamner le passage définitivement. Mais une fois dans le souterrain, son pouvoir m'a submergé. Un temps, j'ai essayé de lui résister, mais en vain. À présent, je dicte ma loi et je fais satisfaire mon moindre désir. Si elle dirige les enfers comme elle dirige le centre, on n'est pas au bout de nos peines. Bientôt, une vague de destruction massive dévastera la Terre. Et lorsque vous, agents d'élite, serez hors de combat, plus personne ne pourra s'y opposer. Oh, j'hallucine, on dirait que Mom est en manque affectif. Non, tu crois? Ces magnifiques créatures vont vous tenir compagnie, mais je dois vous avertir qu'au réveil, elles ont l'appétit dévastateur. Attendez! Revenez! T'en fais pas, elle n'ira pas bien loin. Mode, lame au laser. Non! Oh bah dis donc, bravo, bien joué! Mais qu'est-ce qui t'a pris à présent? Elle va être encore plus en rogne! C'est ça, ouais, comme si elle avait besoin de moi. Bien joué, Martin! Il faudra cependant apprendre à mieux viser si vous voulez me rejouer ce petit tour. Oh, mais il semblerait que votre chronoscan ait subi quelques dégâts. Oh. Soyez sages tous les trois. Ou pas d'ailleurs, ce n'est plus très important. Précédemment dans Martin Mystère. Mom aurait dû rentrer de ses vacances à la Jamaïque depuis des jours. Je n'en peux plus, je suis surmenée. Mom n'est pas partie en vacances. Elle est en mission au Tibet. Nous aller chercher Mom. C'est la chanson du bateau. Mom était à la recherche de ce qu'elle appelle le portail. C'est un mystérieux passage situé au sommet du monde. Oh là là, on est très mal. Je vous ai observé depuis le début. Ça va aller, nous sommes venus vous sauver. C'est un lieu unique, un passage qui mène directement de notre pauvre monde aux enfers. Personne ne pourra m'arrêter. Mom est en manque affectif. Ces magnifiques créatures vont vous tenir compagnie. La bataille des ténèbres, deuxième partie.
paniquez pas. Ne pas paniquer. Ah oui, c'est vrai, tout va bien. Mom est un suppôt des forces du mal, on est prisonnier d'un champ de force et menacé par des créatures hideuses. Bon, j'admets, l'heure est grave et désespérée, mais il ne faut pas t'en faire. Je vais trouver un plan. Laisse tomber tes plans mystères, passe-moi plutôt le chronoscan. Chronoscan activé. Oh, mais enfin, pourquoi faire? Il est cassé. J'arriverai peut-être à le réparer. Mais Pas maintenant, Java, je réfléchis. Dois réfléchir? Ah, c'est la meilleure. Regardez! Chronoscan activé. L'activation du chronoscan provoque une rupture dans la continuité du champ de force. C'est notre billet de sortie. Maintenant! Chronoscan activé. Je ne sais pas si on va s'en sortir, mais en tout cas, ce sera sans le chronoscan. Oh, Martin, le bassin! Hein? Il nous aidera peut-être à stopper Mom. Ah. Oh là là, j'aime pas ces nouvelles fréquentations. Mais... Poitesse! Eh bien, le détective du paranormal que je suis appellerait ça un indice. Clé! C'était justement la réponse à l'énigme du gardien. On ferait peut-être mieux d'aller en discuter ailleurs, non? Diriger le centre, quelle responsabilité, je ne dors plus depuis des jours, si seulement Mom était là. On doit pouvoir trouver un dossier qui nous indique à qui ou à quoi on a affaire tout de même. Je rêve, le relevé de carrière de Mom dit qu'avant d'être au centre, elle vendait des glaces en camionnette. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, vendre des glaces à des bambins insatiables ou combattre les forces surnaturelles? Java et mes glaces. J'ai tout essayé, y a rien, pourquoi n'a-t-elle pas laissé plus d'informations? Ou une petite crème glacée? Billy, je connais ta petite tête là, qu'est-ce que tu nous caches? Envoie le morceau. J'aurais peut-être dû vous en parler. Cool! Un bureau secret. Peut-être trouver glace dedans. Oh, franchement, je m'attendais à mieux. Y'a rien dans cette pièce. Bien sûr, il faut un mot de passe. Bon, réfléchissons, qu'est-ce que Mom apprécie énormément? Mais enfin, la réponse saute aux yeux. Martin Mystère. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Ça pourrait très bien être du latin. Mom est une passionnée de l'antiquité romaine. Ah oui, carpe diem. Oh, ça va nous prendre un temps et dingue. C'est Mom. Mom, c'est beaucoup trop simple pour un esprit brillant comme celui de notre patronne. Bon, j'essaie, de toute façon, qu'est-ce que ça nous coûte? Tu parles d'un mot de passe? Nous avons ouvert le légendex personnel et confidentiel de Mom. Ouais, un super giga légendex. La matrice d'où proviennent tous les autres. On y est, le projet portail. Créé par des moines, le portail avait pour mission de confiner le mal dans le royaume des ténèbres. Et l'objectif de Mom consistait à descendre là-bas pour détruire le bassin divinatoire et ainsi éradiquer le mal pour toujours. Si je comprends bien, elle s'est complètement plantée, la Mom. Elle mériterait bien 2 semaines de suspension. Suppôt des forces du mal venaient à s'échapper, le soleil ne se lèverait plus jamais et les créatures infernales régneraient pour toujours sur notre monde. Il y en a partout. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'est une catastrophe. Pas la cata banale, la cata colossale.
Il nous reste 4 heures avant que le soleil se couche sur le portail. 4 heures pour sauver le monde des ténèbres éternelles. Ce ne sera pas facile, mais c'est une tâche à la mesure de mon génie. Au moins ici, on est tranquille pour réfléchir. Parfois, tu ferais mieux de te taire. Ça me fait plaisir de te revoir, toi. Oh, mais ils sont tous là, mes copains. Oh, coucou, toi. Oh. Hein? On vient par ici. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Oh, 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 oh. Dis-donc, ils ont drôlement peur du noir. Je le sens pas, ce coup-là. Je le sens vraiment pas. Vais-je commencer par dévorer vos cervelles? Hein, plaît-il? J'ai pas bien compris la question. Elle a dû abîmer une console qui commande le système de sécurité. Les écrans à haute énergie se déclenchent au hasard. Oh. Allez. Si t'as si faim que ça, pourquoi tu vas pas à la cafette, hein? Aujourd'hui, le plat du jour, c'est grillade de druide miteux. D'avoir pris 30 cm et d'avoir un bras plus long que l'autre. Mais en dehors de ça, y a pas à se plaindre. À présent, nous devons retrouver Mom avant qu'elle nous retrouve. Si seulement on avait un moyen de la faire revenir à la normale. T'inquiète, j'ai un plan génial. Je serais curieuse de le connaître, Martin. Je viens d'anéantir mon super légendex. Ainsi, nul ne peut découvrir comment m'arrêter. Et pendant que j'y suis, je vais vous faire subir le même sort, vous, l'élite des agents du centre. Elle nous a appelé l'élite des agents du centre. Je me demande si je ne préfère pas cette Mom. Eh mais dites donc, ça sent le bulot pas frais ici, ma petite dame. Si j'étais vous, j'arrêterais de fréquenter les démons. Martin, on peut savoir ce qui te prend là? Ça fait partie de mon plan. Tiens, pendant que j'y suis, super idée de mettre sur la touche le meilleur agent du centre. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dès que j'ai le dos tourné, la boutique part en salade. Les forces du mal se déchaînent et qui est-ce qu'on appelle pour sauver le monde? Martin Mystère, bien sûr. Billy, te trompe pas de bouton. Je le savais! Le contact avec le champ à haute énergie était assez puissant pour dédémoniser Mom. Martin, dédémoniser n'est pas dans le dictionnaire. Eh bien, il y sera très bientôt. Pas étonnant que j'ai cartonné à tous mes examens. Je suis un vrai phénomène. Oh, Mom, vous allez bien? En
Entre ma période suppôt de Satan et ma dédémonisation à coups de chant à haute énergie, on peut dire que j'ai connu des jours meilleurs. Merci de m'avoir fait retrouver mon état normal. Vous avez eu une idée de génie, Martin. Oh, et surtout, n'allez pas croire tout ce que j'ai raconté. Mon but était d'éradiquer le mal, mais c'est lui qui m'a corrompu. Et circonstance aggravante, j'ai perdu la clé. Ah, vous voulez dire cette clé-là? Non, la clé dont je parle n'est pas invisible. Oh non, c'est le gardien qui l'a récupéré. On aurait pu croire qu'un petit génie comme toi mettrait la clé dans un endroit où une créature maléfique ne pourrait pas lui prendre. Oh non! Nous devons retrouver cette clé et fermer le portail avant que le soleil ne se couche sur l'Himalaya. Ce qui veut dire qu'on a à peine 2 heures devant nous. On est censé faire quoi? Charger au milieu des monstres sur un cheval en bronze? Ultra chronoscan activé. Mode, véhicule d'urgence. Ah, rien ne vaut un bon vieux blindé. Bienvenue à bord de MOM 00, véhicule fabriqué en un seul exemplaire. Mm-hmm. On a parfois droit à quelques petites compensations. Et je suppose que je ne peux pas l'emprunter pour aller faire un tour samedi soir. En rêve! Le pisteur est verrouillé sur le gardien. Accrochez-vous! Dites donc, Mom, vous nous aviez caché que vous faisiez du rallye le week-end. Je vous rappelle qu'on a à peine 1 heure devant nous. Oh, je vais chercher cette clé et j'y vais seule. Ne sortez de ce véhicule sous aucun prétexte. Eh ben, c'est le match final entre le bien et le mal et on nous laisse même pas rentrer dans le stade. Je ne suis pas d'accord. Ça me coûte, mais je dois reconnaître que t'as raison. Suivons-la, elle aura peut-être besoin de renfort. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Avez-vous débarrassé des humains? Je dois avouer qu'entendre leurs cris les rendait meilleurs sous la dent. Oh, il nous l'a à nouveau démonisé, tu vois? Il n'y a pas moyen de la laisser seule 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un doute. La fin du monde n'aura pas lieu pendant une de mes missions. Non, garde démon des bacs à sable. Je gagne plus en geste. Donne-moi la clé et il ne te sera fait aucun mal. Oh, Martin Mystère. Vous affirmiez pourtant avoir exterminé cette vermine. Bon, d'accord, quand je disais donne-moi la clé, mes mots ont sûrement dépassé ma pensée. Ça peut être prêté, je vous la rendrai demain. Pour toi, demain n'existe plus. La clé, Martin! Alors, Mom est à nouveau du côté du bien? Il faut que je prenne des notes si je veux arriver à m'y retrouver. Vous m'avez trahi! Venez, Martin! Suivez-moi! Allons! Génial! On a réussi! On a récupéré la clé, on est devant le portail et il n'y a personne aux alentours! Oh, c'est pas possible, j'ai la guigne. J'arrive pas à le croire, ils nous ont abandonnés. Je sais, Java, cet endroit grouille de créatures monstrueuses. Pourvu, voiture, pas fermer la clé. Je dois détruire le bassin divinatoire. Quant à vous, j'ai une mission tout à fait dans vos cordes. Menez-lui une vie d'enfer, histoire de le tenir occupé. Pourvu que Mom soit assuré tout risque.
Eh bien, un bouton qui active un bouclier à champ de force. Bon, alors écoute-moi bien, je vais être sympa. Je te laisse une dernière chance. Ah bon, d'accord. Maintenant, il est temps de condamner ce portail une fois pour toutes. Hey, tu pourrais faire mieux, mon grand. En même temps, t'es pas obligé. Cette fois, Mom, tu n'as plus le droit à l'erreur. Je ne vous laisserai pas triompher du mal. Le passage demeurera toujours ouvert. Mom, attention. Bien joué. À présent, plus personne n'aura jamais accès au monde des ténèbres. Oh, j'ai beau feuilleter les pages du manuel à la vitesse de la lumière, impossible de savoir à quoi servent ces boutons. Oh, j'avais dû la rater, cette page. Ah, bien vu, Java. On fait une sacrée équipe. Quand on sera de retour au centre, il faudra qu'on parle affaire tous les deux. J'ai des idées de nouveaux parfums de glace révolutionnaires. Martin, c'est officiel. Vous êtes réintégré dans le service actif. Cependant, puisque les forces du mal sont éradiquées de la surface du monde, le centre n'a plus aucune raison d'exister. Désormais, mon chronoscan ne m'est plus d'aucune utilité. Le vôtre non plus, d'ailleurs. À compter de ce jour, je reprends mes activités dans l'industrie de la crème glacée. Oh, plus agréable que combattre des monstres. J'arrive pas à y croire. Mes premières vacances sur Terre. Je pars en croisière autour du monde. N'oublie pas d'envoyer des cartes postales. Et toi, tu fais quoi, Java? Moi, donner cours de surf. Oh! Pour ma part, je vais mettre mon génie au service de l'humanité. Je casserai des atomes et inventerai des véhicules à moteur. Non, en fait, 901, c'était vraiment un hasard. Parce que si je m'étais donné la peine d'ouvrir un bouquin, j'aurais eu un score de 30 points supérieur. Non, oh, il n'arrête donc jamais. Au fait, ça te dirait de participer à une expérience? Je cherche à déterminer si les blondes sont vraiment aussi intelligentes qu'on le prétend. Martin, tu as laissé tomber ça. Dis-moi, pour un génie, je suis surprise que tu ne fasses pas la différence entre le haut et le bas. Car ce qui était un 901 est en fait un 106. Mais c'est sûrement une erreur. Vous êtes où? Non mais bon, je suis un génie, je vous assure. Je suis drôlement futé. Ha, 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 ha.